Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 6 mars. On va épandre le premier apport d'azote. Là, derrière moi, c'est le blé de petit pois de l'an dernier. On avait récolté ça au mois fin juin. Il commence surtout une variété à avoir des symptômes de carence azotée. On arrive vers fin tallage. Et c'est le moment propice d'apporter l'azote et un peu de soufre. Là, je vais vous montrer un petit peu. 45 chevaux, je vous rappelle, 30 000 heures, avec le Vicon de 600 kg. Et on va aller voir les orges. Vous allez dire il n'est pas très épais, mais c'est normal, on le semé pas très épais. Vous voyez bien qu'il a talé. Les symptômes de feuilles sénescentes là, c'est normal. Je préfère apporter l'azote un peu plus tard. Éviter l'impasse, faire l'impasse talage. Et favoriser épi 1 cm qui va être dans une dizaine de jours. C'est bon, sinon il est bien portant. On a désherbé il y a une semaine. Il faut mieux désherber avant de mettre l'engrais. Et vous voyez, elle a été mise hier et elle commence déjà à fondre. Ils annoncent de l'eau milieu de semaine. Ça va être impeccable. Cela, c'est le soufre. Et les billes d'azote qui sont un peu plus fondues, elles. L'idéal, ce serait d'avoir une quinzaine de millimètres. Il est bien portant et voilà. Pas trop développé pour la saison, mais ça sert à rien qu'il soit trop volumineux après pour avoir de la maladie. Et ça s'en portera pas plus mal. Bientôt épi 1 cm, parce que vous voyez les pieds ont bien talé. Il y a 3 tales. Et on commence à avoir une fin d'azote. Je vais vous montrer. La fin d'azote, en fait, elle se voit très facilement. C'est les feuilles qui jaunissent. Là, on va voir. Un endroit là. Vous voyez quand même la différence. Là, il y a eu beaucoup moins, on a diminué la dose pour voir l'efficacité. Et surtout, un truc tout simple, hein, c'est la bande double densité. Vous voyez, là, on a recroisé avec le semoir. On a ressemé où on avait déjà semé. Et la fin d'azote, vous voyez les feuilles sénescentes là. Et on voit, elle est vraiment ajaunie. Hein. C'est très facile à faire. Et
ça vous permet quand même de savoir si votre premier apport est mangé ou pas. Je voulais faire un petit point sur mon absence, c'est tout à fait normal, il n'y avait pas grand chose dans les champs et le manque de temps. Je vous ferai peut-être pas tant de vidéos que d'habitude, ça sera selon mes envies aussi. Mais je vous promets quelques vidéos quand même. Ça sera peut-être plus des tours de plaine, vidéos drone et tout ça. Ce matos, bon, ça va bien un moment, mais bon, après... faut faire le taf quand même. Mais je vous remercie quand même de vos messages. J'ai pas répondu, mais bon, je vais faire une pause. Merci de votre fidélité et à la prochaine.